Goulam Reza Akbar Ali, je suis gérant de la station Engen de la ligne Paradis à Saint-Pierre depuis plus de 12 ans maintenant. J'utilise le logiciel Everest depuis 10 ans de la société Willow. Il faut savoir qu'une station-service est divisée en, on va dire, 4 parties. Vous avez une partie piste, une partie boutique, une partie cuisine maintenant, qui est la nouvelle tendance, et bien sûr une très grosse partie qui est le stockage. Alors sur la partie stockage, avec le logiciel, on a pu développer un système de commande automatisée par exemple. Donc le logiciel va faire un calcul très rapide entre ce qui a été commandé les fois d'avant, entre deux livraisons, combien il me reste actuellement et combien j'en aurai besoin. Alors une des particularités aussi de ce logiciel au niveau de la caisse, c'est l'utilisation de la signature numérique de chaque client. À savoir, on veut éviter de faire des papiers, d'accumuler des papiers. À chaque fin de mois, lorsqu'on doit remettre à un client crédit sa facture, en général, c'est accumulé avec plein de petits bouts de papier qui sont des bons de livraison. Alors ces bons de livraison, on les a tout simplement numérisés. Le client vient avec son bon de commande, il va signer sur un écran qui est à la caisse avec un stylet. Cette signature va être gardée en mémoire et à la fin du mois, on enverra une facture au client avec un tableau, comme un tableau Excel, où il y aura l'heure de passage, la plaque d'immatriculation du véhicule concerné par exemple et la signature qui correspond à la personne. Le client de cette manière peut vérifier la validité de la facture. La société a mis en place un système de flashback qui permet de sauvegarder automatiquement à une heure bien précise toutes tes données confidentielles, à savoir ta base de données. Aujourd'hui, je ne m'inquiète même plus de sauvegarder quoi que ce soit comme données parce que je sais qu'elle sera retrouvée dans le cloud sur un accès sécurisé. Bien sûr, cela va avec la confiance qu'on porte à cette société. Sinon, je n'aurais pas opté pour cette solution.